J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Pourtant, il y avait la clé hein, sur le bureau à droite, non ? Il y a la clé, bah là. Ouais, ah ouais, non, ok. Ouais, c'est bon, ok. Bah, ils se mentent, ouais, c'est bon. J'ai peur, ils vont m'attaquer. Oh ! Putain, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est quoi ça ? Je peux pas courir ! J'ai la tête de ma mère, je peux pas courir ! Ça, c'est courir, ça ? Je cours pas, là ! Oh non, s'il te plaît, je reste là ! Bah... Et maintenant, il y a le Léviathan. Oh, mais non, mais moi, à partir de quand j'ai pas signé pour ça, hein. Moi, j'ai dit oui, je vais sous l'eau, je prends des petits pochons, je prépare des trucs. Ah, est-ce que ça. En fait, il était coincé dedans, ça l'a libéré ? Ta gueule ! Je sais pas. De quoi, le Léviathan ? Le Léviathan. Est-ce qu'il était coincé dedans et genre l'explosion, ça l'a libéré ? Ah non, je crois qu'il était déjà là avant, t'inquiète oh, pas. Oh merde. Il est juste sur la. Ce qu'on me dit, et maintenant, il y a le Léviathan, vu que c'est explosé. Ouh, ouais, je vais enlever le casque, je vous le dis tout de suite, je préfère ne pas mentir, je vais faire sauter le casque. Non mais. J'ai trop peur! J'ai vraiment trop peur, Horst, tu ne te rends pas compte! Là, je suis terrorisée, là! Il y avait besoin du coup de la combi anti-rade alors? Ouais, mais de toute façon, on n'a pas le. Ah, quoi que. Oh, faut que je fasse de l'eau. Vite, vite, vite. Oh non, je suis pas bien, Horst. Mais ça va aller. Oh, mais ça valait bien au coup de me dire t'inquiète pas pour me dire après, bah tu vas au casse-pipe, t'y vas! Non, mais je me souvenais pas que c'était si tôt. Par contre, dans mes souvenirs, genre, on n'y va pas comme ça. Normalement, il faut au moins avoir le Seaglide ou le Bah, moi, je suis. Mais moi, on y va, mais on le prend, mais il n'y a pas. Ça me paraît très tôt. Non, mais à la nage, à l'aurora, je crois que c'est genre. Non, mais. Voilà, c'est très compliqué en plus. Donc, pourquoi. Dans mes souvenirs, c'était pas de suite. Hein. Mais c'est pour ça qu'on va pas y aller tout de suite. T'imagines bien. Non, mais attends, parce que. Alors, attends, déjà, en fait, déployable. Ah, mais attends, mais déjà, le Seaglide. Ah oui, mais on n'a pas les ingrédients. En fait, ce serait bien de trouver le craft de ça. Ah, et un véhicule, c'est pareil, on n'a pas de base. En fait, faudrait vraiment scanner des trucs. Je commence à rire parce que je commence à imaginer la séquence. Donc, je me prépare mentalement, ça commence. Allez, acte 1. J'ai pas envie d'aller trop loin, je vais plus trop loin. Moi, je reste que autour de chez nous là. Tant pis, hein. Pour le moment. Non, mais ça a pas changé la position du Léviathan, il est si, toujours au même endroit. Hein. Ça l'a attiré l'explosion, c'est sûr. Mais ça l'a attiré vers le vaisseau alors, pas ici. Mais non, justement, les animaux, quand il y a des trucs qui vont pas, ils se cassent. Il y a des bruits bizarres dans les fonds marins là, hein. J'aime pas ça. Vas-y, du coup, j'ai de quoi faire la combi. On a de quoi faire les deux combis normalement. Enfin, si tu vas juste chercher les vignes vite fait. Non. Je t'attends. Non, mais les vignes, c'est à côté non, de chez nous. Non, mais les vignes, c'est un peu loin quand même. En plus, c'est vers le vaisseau. Si ça, c'est pas du foutage de gueule. Bon, j'y vais, mais. Ta gueule. Oh, j'ai envie d'enlever le casque. Elle va baliser toute la soirée avec ça alors que ça se trouve, elle va même pas le voir une seule fois. Alors bah, je l'ai pas vu. Mais moi je pense, tu sais quoi, non mais moi je vais être honnête, je pense que je nagerai uniquement au-dessus de l'eau avant le point important à récupérer. Par sécurité. Bah c'est important la sécurité. Ah bah dis donc, on perd pas de temps. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est important, bah quelle tenue dis donc. Ah tu la vois du Oui, coup je la vois. Alors attends, je devais faire quoi avec les vignes là déjà ? La maille ? Ouais, maille okay. De fibre. T'en fais deux et du coup tu peux faire la tenue anti-rade avec le plomb qu'on a à côté là. On a pile pas ce qu'il faut en plus. Hein. Non parce que tu dis on est large et tout mais il nous en reste plus que deux hein, quand même. Donc c'est ouais non mais c'est vrai que je me suis un peu stressée à un moment, je vais pas mentir. En fait tout le long de l'aventure je me stresse. Est-ce qu'il y a des appareils pour nous qui peuvent aller chercher par la suite des matériaux? Ouais bien sûr ouais. Ah bah voilà pourquoi on le fait pas maintenant. Ouais bah c'est nous les appareils. Non, nous on est des êtres humains. On n'est pas des appareils. Non, on n'est pas des machines. Elle a cru... Oh, ah ouais, c'est stylé. T'as vu, c'est cool, hein. C'est marrant. Ok, c'est stylé. Ouais, non, mais attends, t'as cru que tu joues à quoi, là? On est pas sur Factorio. Bah ouais. Elle a cru, genre, on va faire une usine et tout va fermer pour nous. Oh là là. On n'aura plus qu'à attendre. Attends, je m'hydrate un petit peu dans la vraie vie. On n'a pas une arme de combat, là. Moi, si je suis dans un gros vaisseau et que je lui mets des gros starts, ça me va. Non, mais c'est ça, le Seaglide. Mais quoi? Quoi? Ne me dis pas que c'est un appareil où on s'accroche dessus puis on se laisse porter par le machin. Ah, le Seaglide, c'est ça. Mais après, il y a le Cyclope. Le Cyclope, c'est un vrai sous-marin. Ah, il est où le Cyclope? Alors, le Cyclope, le problème, c'est qu'il nous faut la baie à véhicule. Et en fait, on n'a pas les crafts encore. J'ai mis deux armoires de plus. Arrive. Écoute. J'écoute. Ah, des débris.
C'est normal que j'ai plus de son. J'osais pas parler. J'ai la même chose. J'ai le même problème. Ok, très bien. Est-ce que tu me vois t'éclairer ou pas du tout? Ah oui, oui, oui. T'es attends. Ah non, c'était ma lampe. <T'es> très bien. C'était complètement ma lampe en fait. Hein. Oh là, oh là, oh là, je suis en train de canner. Oh là, oh là. Attends. T'imagines si tu meurs à cause de l'oxygène d'ici alors que t'es à même pas un mètre de la surface, c'est beaucoup trop drôle. J'étais concentré. Hein. Non mais par contre, là où je t'ai montré tout à l'heure et que je t'ai dit surtout retiens bien, bon, ok j'ai peut-être oublié de te dire ça. Ah bah oui, bah là vraiment, t'as fait le con, là vraiment oui. Hein. Tu vois, regarde là, il y a des bruits bizarres là. Oh, bah, fragment de Siglite. Oh, oh, oh. Hop. C'est vrai? Oui, regarde, fragment de Siglite, progression 50%, 1 sur 2. Ah, moi je l'ai pas. Oh non. Ah. Ah merde. Attends, peut-être quand il sera tout découvert. Il me faut un autre truc non, comme ça. Non mais t'as pas eu le 1 sur 2, c'est ça le truc. Donc mais tu vas peut-être avoir le 2 sur 2. Voilà, mais du coup, bah, faut en trouver un autre. Et ça, j'avoue que ça pourrait être super bien. Mais il n'y avait pas un là, ici. Par bah, là, ici, en bas, là, regarde, t'as un truc ici. Est-ce que t'as pas un fragment? Là, là, il y a un truc là. Ah là, j'en ai un fragment Siglite. Allez hop. T'en as un aussi? Oui. C'est bon. Ah ouais, ça a fait disparaître celui que j'avais en face et ça l'a validé. Ouais, c'est bon. Ok. Allez, hop, hop, hop. C'est bon, ça a marché du coup. On est trop bien. J'ai eu peur, mais c'est ok. Bah, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce fameux petit Siglite? Est-ce que c'est compliqué ou pas? Normalement, ça l'est pas trop. Alors. Il nous faut pile lubrifiant, fil de cuivre et titane. Ça peut tomber en panne ce truc ou pas? De quoi, le coffre? Non. Le Siglite. Bah, c'est à pile aussi. Oh non, tu rigoles. C'est pas un truc solaire? On en est venu là, ça y est. Mais tu sais qu'il y a rien en solaire, hein, genre. Bah, c'est bien de la merde ce jeu. Non, si en vrai il y a les bases en solaire. Ah, bah encore heureux, hein, si les bases fonctionnent à pile. Ok, ouais. Siglide, j'ai pu faire le mien là. Ok. Normalement, t'as de quoi faire le tien, t'as le titane ou pas? Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Je suis en train de le crafter. Ah là là, magnifique. Hop. Tu peux faire clic droit d'ailleurs sur le Siglide pour éteindre la petite map qui est au-dessus et je crois que c'est oh un peu lumière. J'ai fait un clic droit. Je le vois tomber, hein. Moi aussi. Ah, mais tu vois finalement. Bah, lui, je le vois, oui. Ah, ouais, un clic droit une fois que tu l'as déjà équipé, je voulais dire, du coup. My bad, j'aurais dû mieux m'exprimer. Non, c'est moi qui. Oh là, mais on voit rien. Tu l'as en main, là? Oui. Mais fais clic droit quand tu l'as en main, donc tu peux enlever le truc qu'il y a dessus si tu veux mieux y voir. Mais en fait, d'accord, ça te donne les. C'est pour les grottes et tout, ça te permet de voir un petit peu où t'en es, mais sinon, voilà. En fait, t'as plusieurs clics droits parce que t'as non, aussi la. Non, mais attends, je peux être honnête avec toi? Ça va pas assez vite face à un Léviathan, cette merde. Hein. Moi, il me faut. Moi, tant que j'ai pas un truc d'assaut là. Si, ça va vite, t'inquiète. Mais et donc, ça si t'appuies sur R. Ça... Oui. Appuie sur R. Ah, oh, les piles. Tu vois, et en fait, tu. Avec ta molette, tu switches et tu peux cliquer par exemple pour enlever la pile ou pour en mettre une neuve quand on a plusieurs, tu vois. Ok. C'est comme ça que ça marche. Alors, est-ce qu'il faut pas qu'on farme les piles? Bah, en fait, on pourra les recharger plus tard. Mais là, pour l'instant, ne surabuse pas de ton Siglide. Je l'utilise pas. Signal. Faut qu'on aille au signal, on a dit. Et oui. Ensuite, on fera la base. Oh là là, je me suis mis trop bien. J'ai tellement de bouteilles. Moi, j'ai tout bu. Bah, j'avoue que par contre, je dois aller boire. Ah ouais, j'avoue que ça remet pas beaucoup. Hein. Mais oui, j'ai plus beaucoup de bouteilles. C'est pas possible. On peut pas. Par la suite, on pourra pas débloquer un craft qui nous donnera plus. Si. Ah, ça me fait plaisir. Là, tu sais me parler. Là, d'accord. Mais c'est à côté du Léviathan. Alors, j'allais dire un truc, ça va te faire plaisir. Ah. Dans l'Aurora, on peut looter masse de bouteilles qui sont mieux. Directement. On peut looter, en fait, des stocks, en fait. Bah oui, mais dans l'Aurora, est-ce qu'il n'y a pas un truc hyper grand et hyper agressif? Dans l'Aurora même, non, il n'y a rien. Autour de l'Aurora? Sur la route pour y aller. Sur la route seulement. On peut contourner, attends, c'est bon. Tu fais quoi là? Oh, il fait tout noir. Il fait tout noir, tu veux qu'on y aille? Bah, le temps qu'on arrive, il fera jour. Regarde, on passe par la surface. Hop, comme ça. Oh, j'ai envie d'utiliser mon petit appareil, moi, c'est trop stylé. Je vois rien. Bah, vas-y, hein, si tu veux, on peut là. Donc, c'est un peu à distance, vas-y. Hein. Oh, imagine, ça se passe mal sur le chemin là. Et c'est bien un capsule de survie là où il faut aller. Oui, 17. Ok. 100 mètres, échoué près d'un système de grottes et subit des attaques. Est-ce que ça te rassure? Quoi le... Comment ça? Est-ce que ça te rassure le subit des attaques? Non, j'ai trop peur, Ors. Non mais il va nous arriver. Ah. Oh là là. Par contre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, s'il te plaît, la tête de ma mère. Oh, j'enlève le casque. Je ne t'entends plus, tantin, j'ai enlevé le casque. Mais elle est sérieuse? Ah là, il n'y a plus de casque, là c'est terminé.
En plus, ça se trouve, t'es en train de me gueuler une info. Un truc en mode retourne-toi et tout, je t'entends pas. On te donne des infos utiles, elle va pas les écouter. Je te vois plus. Ah, il y a un truc horrible c'est le truc au-dessus qui fait ce bruit, c'est ça. Mais je sais pas, tu m'entends ou tu m'entends pas là? Mais je t'entends parce que ça va, mon casque est assez fort. Ok, ok, bien. Il y a un gros truc luminescent là. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète, tout va bien. Viens ici, t'as un PDA à récupérer. Attends. Arrêtez de rigoler le chat, c'est pas drôle hein. La peur des gens, ça vous fait rire? Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Où suis-je? Il fait... Oh là là, ça va mal finir, hein, je te le dis. Et ça, faut qu'est-ce scanner là. Simote, c'est faire. Oh, y a pas un truc au-dessus de moi qui va me bouffer? Je scanne là, je suis à fond. Oui, si, ça va pas tarder à arriver, mais vas-y, scanne ça. Oh là 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 là, c'est quoi ces trucs? Oh, c'est quoi cette merde? Mais c'est on les est où de verre des sables, c'est la tête qu'on avait vu un moment là. Mais t'es où? Remonte à la surface, oh remonte à la surface. Ok, ok, ok. Ça, c'est un genre. Là, ce qu'il y a autour de nous, d'ailleurs, il vient me choper. Ok, on va partir en seaglide. Parce que lui, il va essayer de m'attraper. C'est le genre de verre des sables, là, tu sais, qu'on avait vu tout à l'heure. D'accord. Donc, ça, en vrai, bah, c'est un peu chiant. Mais si tu prends ton seaglide, tu vas plus vite que lui. Et le gros bruit que j'entendais. Et que tu oui, mais je le vois, c'est un énorme truc au-dessus de nous. Qu'est-ce que non, c'est là. Que cette merde? Ah, moi, je le vois en bas. Moi, je le vois juste là. Tu le vois pas là, toi? Enfin, en dessous, oui. Non, il est à gauche, il est à gauche, là. Ah, moi, je le vois juste tu ici. Tu m'emmènes okay. Où, là? Tu vas m'emmener me faire bouffer. Non, je le scanne. Tu risques rien, il fait rien, lui. Mais. Je le scanne, regarde. Hop. Ah, bah oui, moi, il est juste à gauche, en fait. Super. Voilà, mais en vrai, lui, tu risques rien. Il fait beaucoup de bruit, donc c'est impressionnant. Ça te fait enlever ton casque. Mais en réalité, y'a rien. Ah, mais j'ai l'impression. Ah là 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 là! Mais il appelle l'autre, c'est sûr! Riffback Léviathan, il s'appelle. Ah, c'est un Léviathan en fait. Oh bah super, et bah super, il est où son frère? Tu vois, les Léviathans au final, ils sont gentils. Faut que je te suis. Non, mais je sais même pas, tu vas où? On fait quoi? Alors, moi, je suis d'avis de vérifier autour de la capsule là où on était, qu'on ait rien oublié déjà. Parce que souvent dans ces trucs-là, il peut y avoir des... Ah, t'es où? Il peut y avoir des trucs à scanner autour, en fait. On est dans un endroit qui sent pas bon du tout. Sachant que si c'est allumé, ça te fait la lumière, hein, ton truc aussi. Hein. Ah oui, j'avais oublié ce délire aussi. Capacité en oxygène réduite, ça me met. Ouais, parce que effectivement, j'avais oublié qu'il y avait ce genre de délire dans le jeu. C'est que passer les 100 mètres, t'es où, je panique, commence... ça y est, t'es où? Ah, ça... Elle commence à saturer. Moi, j'ai là, peur. Il y a quoi, regarde. Il y a des cavités ici, regarde. Bah oui, bonne idée. Ah, viens voir. Ah, c'est beau. Ah regarde. Ouais. Ouais, il y a ouais. Du rose. Ta couleur préférée. C'est pas ma couleur préférée, hein. Ça m'a empoisonné. Oh, ah non, oh, je me sens pas bien. Oh, je perds de la... Oh, je perds de la vie. Oh non, j'ai perdu. Je me souvenais pas, toi. Mais je vais crever. Non, remonte à la surface. Ah, il était là, le pod. Ok, nice. Oh, il essaye de m'attraper, le truc. Il essaye de me manger. T'es où? Je suis remonté. Tout en haut, là. Ah là là, ça va mal finir, ça y est. Mais non. T'as des soins avec toi, sur toi, de toute oui. façon. Oui. Bah voilà. Tranquille, alors. Ouais, je vais retourner, du coup. Attends, la capsule, je viens de la voir. Ouais, elle est là. Je vais aller voir la capsule si... Ah, il y a du sel ici aussi, si tu veux. Ça sert aussi pour les aliments. Je prends pas de sel dans la vraie vie, c'est pas grave. Je mange pas beaucoup de sel. Ça servira pour les aliments. Je mange que très ouais, peu. C'est... Vas-y, j'ai une question. Oui. Est-ce que le Léviathan... Oui. Est-ce que vraiment il tourne que autour de, de l'Aurora ou est-ce qu'il peut venir là? Sois honnête avec moi, ne me mens pas s'il te plaît, c'est tout ce que je veux savoir, sois honnête. Honnêtement, quand il y aura un risque de Léviathan, je te le dirai en avance. Comment tu vas savoir qu'il y aura un risque? Il t'appelle? Ah mais c'est à 500 mètres le signal maintenant, c'est à l'Aurora, le prochain truc où on doit aller... Ah non, 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 hein ouais. Non, mais dans le sens où je sais à peu près où il est quand même encore, je m'en souviens, et il est pas ici, genre vraiment, il est sur la route de l'Aurora, vraiment, tu l'auras pas bon, ici, on est quand même sûr. Pas loin, quoi. Non, non, vraiment, il est pas ici. Je te promets okay, que t'es loin, je te fais confiance. À 500 mètres, là, encore. Mais 500 mètres, c'est pas très loin hein, pour un Léviathan. Alors, je reconnais que le biome ressemble pas mal à celui-là, mais c'est celui juste après. Oh non, non, non. Du coup... eh bien, attends, tu me follow? Je vais, oui, je te follow, mais je vais okay, enlever okay, mon casque. Prends le Seaglide, prends le Seaglide, viens avec moi. C'est pas possible. Alors, en passant, il y a un truc à casser ici. Hop. Et tu vas voir que là, en fait, dans les grottes, comme ça, regarde. Tu vois, les cailloux à farmer, ce sont pas tout à fait les mêmes. Et t'as plus de proba, du coup, avec certains, d'avoir des d'avoir du meilleur loot, quoi. Ça y est, je t'ai reperdu. Là, je sens pas. Plus, hein, je suis à bout. Hein. En bas. C'est bon, c'est bon. Du sel, truc. On va pas rester longtemps, parce qu'on est à moins de 100 mètres, et on peut pas le tenir avec notre équipement très longtemps. Mais c'est juste pour que, bon, on voit un peu ce qu'il y a ici, tu vois. On va cramer crever à une vitesse folle. C'est sympa, ici, KM, genre. Oh là là, y'a rien qui c'est dort bien, là-dedans, ça. Hein. Et là-dedans, en fait, ça nous permet de farmer parce qu'on peut peut-être trouver de l'argent plus facilement ici. Et ça peut permettre, c'est de faire. Aïe! Il y a un truc qui m'attaque, c'est quoi?
Ouais, c'est un léviathan. Ah, non, c'est un petit poisson qui m'attaque. Il fait pas beaucoup de dégâts, c'est tranquille. Juste par contre, je sais plus remonter, c'est ici, ok. T'es dedans toi encore ou pas? Ouais, parce que j'avais. Moi, je découvre. Attends, mais je te vois pas. Ah, si, t'es là, ok. Pense. Là, je commence à remonter, donc. Repère bien la remontée. Hein. Tu te fasses pas avoir dans la grotte. Hein. Ok. T'as des petits poissons qui te font un peu de dégâts, mais en vrai, tranquille, genre, ne panique pas si tu prends des dégâts. Ça marche. Regarde en dessous, c'est pas beau ça? Oh, on est dans The Forest maintenant? C'est ça, regarde tout ce qu'il y a à scanner. Vas-y, j'arrive. Fais-toi plaisir. Hein. Est-ce que là-dedans on peut scanner? Regarde, là, non, déjà. Ça, tu dois pouvoir scanner là, regarde, follow me. Follow me. On prend en extrémité, okay. Là, tu scannes ça. 6 mottes en plus. Hein, donc. Ah bah tu vois là, j'avais un truc de grès. Tu l'as, je suis aussi à taper ou pas, le rocher? Attends. Le caillou. J'ai vu un rocher là où t'étais, ouais là. Là, bah celui-là, tu vois, moi il m'a donné de l'argent par exemple. Moi aussi. Oh, trop bien. 6 mottes, donc c'est bon, on l'a maintenant. Donc le Simote on l'a, sauf qu'on n'a pas la baie de véhicule, donc en fait on ne peut pas le crafter, c'est un peu débile pour l'instant, mais... Ah, et la baie de véhicule, je suis sûr qu'on l'a oublié au premier truc, ça se trouve, faudra y retourner. Fais-moi penser en plus, à je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit le premier, ce qu'il fallait pas, tu m'as dit non, il y avait rien là-bas. Donc là, comment ça marche, là? J'essaye de comprendre. Alors déjà, prends du titane, et en fait ça marche que tu vas devoir aller dans l'eau, hein, parce que tu vas pas le faire d'ici. Bah oui, me doute. Je donc, me doute beaucoup bien. De titane sur toi. Beaucoup de titane. Du titane. Ça coûte que dalle, en fait, de crafter ici. Et en gros, bah tu vas faire clic droit, tu as les trucs à crafter. Oui, j'ai vu. Ah oui, potentiellement du plomb aussi. Est-ce qu'on le fait en mode quelques fondas dessous? Je crois que ça servait plus tard. En vrai, on n'est pas obligé au début, mais... S'il faut, on le fait. Hein. On a du plomb ou pas? Attends, juste en faire un à la limite. Ah ouais, mais avec eux à côté, c'est chiant, attends. Bah oui, ils vont nous péter dessus. Oh! Oh! Ça a attrapé un truc. Un garifiche. Ah mais ça attrape plein de trucs, hein. Après, j'avoue, on peut le mettre un peu plus en décalé pour que ce soit encore un peu plus worse, mais... en vrai, ouais, il faudrait trouver un endroit intéressant pour faire la base. On va pas trop se loigner du biome de là où on est. Non, mais c'est juste de prévoir si on veut l'agrandir après, plus tard et tout, mais en vrai... ouais, on là, peut pas exemple, commencer genre... Par ici, ça peut ne pas être trop dégueu, je pense, là. Là où je suis. Là où je suis, ça peut ne pas être trop dégueu. En vrai, t'as des gens qui vont dire ouais, c'est bien d'aller dans certains biomes et tout. Là, en l'occurrence, c'est bien parce qu'on est safe. Moi, ça, j'ai toujours fait dans le biome de base, ça me va très bien. Okay. Au moins, on est safe, on peut se mettre bien ici. Mais vas-y, du coup, tu vas placer genre une fonda. Mais sache que la fonda, en fait, c'est pas obligatoire, oh, mais purée. C'est, il me semble. Là, ici, là. Ouais. Tu la montes un peu. À la limite, tu mets pas au ras le sol, tu sais, tu montes okay. Un petit peu, genre. Alors attends, c'est dans quelle catégorie déjà que je découvre fondation? Je l'ai. Oh là là. Ouh là, voilà. Je m'aventure dans un sur une terre inconnue. Donc là, je pose pas au sol. Je peux le poser n'importe où. Plus, s'il fallait, j'ai un doute quand même, mais je crois pour pas. Pour moi, une fondation, ça se fout au sol, mais bon, après, on est dans l'eau. Non, donc. Parce que normalement, le truc basique, tu peux le mettre en haut. Il y a des pieds. Vas-y, pose ta fonda. De toute façon, dans tous les cas, tout ce qu'on fait, on ça peut l'enlever. Et oh on peut récupérer. Construire. Ah, faut ok. Vas-y, construis. Faut maintenir. J'ai fait une connerie, c'est ça? Non, c'est bon. Ok, voilà. Tu vois, ça fait bien les pieds en dessous et tout, c'est ça. Ah. C'est ça. Mais ça mettait le doute, c'est pour ça. Et du coup, voilà. Ça coûte que dalle en fait de construire. Du coup, ensuite, en fait, on va faire que des compartiments finalement derrière. Parce qu'en fait, on n'a pas Attends, encore les grandes salles. D'oxygène. Tu vois, par exemple, la salle multifonction, ouais. Enfin, on n'a pas encore débloqué. Donc, ça, ce D'accord. sera les grandes salles qu'on pourra faire plus tard. Mais là, pour l'instant, on va juste faire des compartiments. Je vais aller à la surface avant. Je vois que je suis pas le seul. Oui, je t'ai dit, je suis en train de crever. Hein, donc... du coup, dans le doute, je préfère. Et donc là, bah, tu vas commencer par faire un compartiment en I, le premier, Alors... juste après la fonda. C'est voilà. Bon. Et maintenant, regarde, magnifique. Installation sur le long terme, j'ai débloqué. Clic gauche, tu peux rentrer. Hop, clic gauche. Ah, c'est très bien fait, hein, dis donc. Et voilà, on va vivre là, c'est fini. Alors, attention parce qu'on a toujours pas d'oxygène là-dedans. Regarde, ah on fait une descente. Parce que tu vois en haut, il y a marqué puissance ouais, 0 oui. sur 0. On n'a pas d'énergie là-dedans. Panneau okay. solaire. Et donc, en fait, il y a deux trucs à gérer dans les constructions. Il y a l'intégrité, en gros, la solidité de ta structure. Mm-hmm. Donc ça, c'est avec les fondations et avec ce qui s'appelle, à la ça fin, remonte. Les consolidations. Ouais. Le tout dernier craft. Ça permet de consolider, du coup, les structures. Parce que du coup, si c'est pas assez solide, bah, il va y avoir des brèches et de l'eau qui va rentrer, en fait. Donc, en gros... Sans attaque, ça peut arriver. Ouais, voilà, en okay. fait, c'est ça. Je sais plus exactement comment ça marche, si c'est à cause des constructions, du nombre de constructions, je crois. En fait, il faut consolider à un certain nombre de constructions, mais ils te le disent de toute manière quand ça va pas, donc tu le fais au fur et à mesure. Donc voilà. Et du coup, l'énergie à gérer, bien sûr, avec les panneaux solaires. Donc tu vois, si tu vas dans le deuxième onglet en haut, on peut faire un panneau solaire. Hop, alors, deuxième onglet en panneau solaire. Quartz et minerai de cuivre, il faut. Tu vois, petit panneau solaire. Oh, il est mignon!
Et en gros, ça va produire de l'énergie en journée, bien évidemment. Donc la nuit, ça va plus produire. Mais la nuit, on s'en fout, puisque la journée aura bien... Alors, en fait, la journée, ça va charger. Et la nuit, du coup, on va pomper dessus. Mais attention, parce que du coup, imaginons... Si on utilise un fabricateur ici, parce qu'on va en faire un ici... Ça va pomper. Ça va pomper plus rapidement. Donc forcément, il faudra quand même avoir une certaine puissance d'avance si on veut que ça tienne. D'accord. Donc là, l'avantage, on va construire un peu plus, on va un peu agrandir. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on va se servir de ce premier couloir pour mettre des stockages. Des vrais stockages. Oh, trop bien. Genre, en vrai, bah déjà, regarde si tu peux en faire là. Alors. Alors, il y a deux types de stockage. En fait, il y en a un. Oh. Donc, tu as le quatrième onglet. Armoire murale. Bah, tu vois qu'il y a même armoire, le fabricant. Armoire, chargeur de piles. Et chargeur de piles, ça va nous mettre trop bien aussi, mais il nous faut du... Ah, en vrai, on va pouvoir le faire, si tu veux. Mais du coup, on pourra pas faire les recycleurs de suite. Mais c'est bon, pas grave, de façon... Du coup, tu as soit l'armoire, soit la murale. En gros, la murale, elle a moins de place que l'autre, mais par contre, on peut écrire dessus pour le rangement. Donc, c'est plus propre. Ah, bah alors... Donc, on va faire que des armoires murales. Je peux en mettre une, déjà. Vas-y. Alors, comment on fait? Genre, j'en mets même au fond? Genre, deux au fond, puis après, tout du long? Ah bah en gros là tu pas au fond parce qu'au fond on va construire d'autres trucs, tu sais, on va agrandir. Bah est-ce que je peux mettre genre ici ou pas, ou c'est une connerie là? Non, c'est très bien. Après tu peux le coller hein, déjà à l'entrée, et on les colle les uns à côté des autres. Alors. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Sinon on les colle pas, hein. Sinon tu peux le mettre en plein milieu. Ah oui, moi ça me stresse quand c'est collé, mais après si tu veux on peut faire. Ouais, on peut les mettre n'importe comment, n'importe où. Attends, je vais faire un truc. Il en faudrait combien? Énormément. Je vais faire un truc. Oh, arrête, qu'est-ce que t'as fait là? Est-ce que ça te stresse pas? Mais là, ça me stresse, c'est pas droit. C'est horrible. Ah, je me sens pas bien, je vais faire un malaise.